Salut YouTube, on va parler de clan et confrontation de clan. Je vais parler de la confrontation de clan et comment créer un clan, on va dire. Alors tout d'abord, vous allez à clan. Alors moi, j'en ai déjà fait un, mais en gros, pour 200 de ferraille, vous pouvez créer votre clan. Vous mettez le nom, etc. Bon, vous le renommez pour 200. Et ça, alors vous payez 500 et c'est tout simplement pour mettre la. Si j'ai pas de bêtises, hein, c'est ce qu'on m'a dit. En gros, ça met les initiales de votre clan devant votre pseudo quand vous êtes en jeu. Moi, je ne l'avais pas fait parce que ben, 500, je n'ai pas envie de le faire. Alors, vous avez les paramètres si vous voulez recruter, etc. Alors, moi, j'en ai créé un pour moi seul pour commencer. C'est pour faire les missions. Alors, je crois que c'est cela. Je ne les ferai pas toutes, hein, que ce soit ceux-là ou en bas, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'on va le voir en. Pour être complété, pour recevoir la récompense, le clan doit pas être inférieur. Ok, donc ça, c'est le classement en confrontation, je pense. En gros, vous ne pouvez pas avoir tous les badges si vous êtes tout seul dans votre clan. Moi, je l'ai fait tout seul, c'est pour le futur, si je veux inviter du monde. Voilà. Je préfère avoir un clan. Et même gagner que 50 ou 100 badges que ne rien avoir du tout. Donc en réalité, faire un clan, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ça coûte rien de le faire. Ça coûte 200 en ferraille. Ça va assez vite. Et dedans, on a la confrontation de clan. Alors, la confrontation de clan, ce sont des parties en 4 contre 4 avec des véhicules situés entre 5000 et 9000 PS. Je trouve que c'est une excellente alternative pour avoir un peu un avant-goût de la guerre de clans. Alors là, moi, quand je pars tout seul. Moi, j'appelle ça en pick-up, parce que dans d'autres gens, on appelle ça en pick-up, c'est-à-dire que vous lancez tout seul sans être groupé. Mais après, vous pouvez très bien vous grouper à 4, comme si c'était un clan. Vous voyez, un clan qui débute, par exemple, hop, vous vous faites à 4, et vous pouvez très bien le faire à 4. Je trouve que c'est un bon training pour les guerres de clans. Les guerres de clans. C'est du level beaucoup plus élevé avec, alors si je dis pas de bêtises, un PS minimum. Voilà. Là, il n'y a pas de limite en gros. En gros, il n'y a pas de limite. Par contre, si vous débutez, que vous avez un véhicule à 9, 10 000, en face, il va avoir du 17 000. En face, c'est du lourd. Vous pouvez tomber sur du lourd. Donc, moi, personnellement, je préfère ça. Pour commencer, je trouve que c'est bien. Le gros bémol pour moi, c'est le système de classement. Alors d'abord, on voit classement, on a l'impression qu'on se dit, oh, on est 7000, nanana. Non, en réalité, non. Le classement, il est en haut. Alors d'abord, je ne sais pas pourquoi là, il n'est pas affiché. Le classement doit être affiché, je pense, quand on est en dehors du temps de mission. Normalement, il y a le classement. Moi, le gros bémol que je mets, c'est le système de dotation. Ils disent ajouter la gloire au clan sur le champ de bataille et débloquer de nouvelles récompenses dans les défis de camp. C'est les badges. Les défis sont mis à jour chaque saison. Alors, après, je ne sais pas si je dis des bêtises. Je crois qu'une saison, c'est une semaine, mais je suis pas sûr. Parce que je découvre en réalité presque en même temps que vous. Je vous en parle parce que je trouve que c'est un bon truc pour s'entraîner. Donc je préfère en parler maintenant qu'attendre 6 mois pour en parler. Le classement peut, alors c'est là que c'est un peu le bazar. Le classement peut être obtenu dans la plupart des missions contre des survivants ainsi que dans confrontation et guerre de clans. Donc, je me suis dit, si en gros je peux. En gros, ils disent qu'on peut le faire partout. Obtenu dans la plupart des missions, on peut le faire partout. Moi, le souci, c'est que. J'ai fait des parties en dehors des. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de confrontations de clans. Mais j'ai fait des parties. Alors déjà, on peut voir que les raids, vous ne gagnez pas de trucs dans les raids. Ce qui me paraît tout à fait normal. J'avais fait des parties en dehors des confrontations de clans. Avec des bonnes parties. Par contre, en termes de. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation de la confrontation. Enfin, c'est des. C'est ça, enfin, les notes de confrontation de clans, sauf que les chiffres n'étaient pas élevés.
Là, les chiffres sont élevés parce que je suis pendant la confrontation de clans. J'ai fait aussi bien, même mieux, dans des parties en 6 contre 6, j'avais pas des chiffres aussi élevés. Alors là, quand je veux aller sur le classement, je clique dessus, évidemment, le service est temporairement disponible. On est sur Crossout. Je ne sais pas si c'est normal parce qu'il y a le truc est actif actuellement, ou si c'est encore un bug de Crossout. Si c'est un bug de Crossout, je pense qu'ils en ont quand même assez, il faudrait peut-être qu'ils fassent quelque chose, hein, qu'on arrête d'avoir des bugs. Ce que je voulais vous montrer dans le classement, mais qu'on ne peut pas voir, c'est qu'il y a ce chiffre-là, 7371. Et ce chiffre, c'est la notation de la confrontation. C'est en gros les chiffres qu'on voit là. Le problème, c'est que moi, je me dis, mais attendez, logiquement, tous ces chiffres devraient s'additionner. Les chiffres devraient s'additionner avec ces chiffres-là. Ben non. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ben, même pour lui, c'était un peu flou. On a un système de notation, sauf que les chiffres qu'on a ne s'additionnent pas. Alors, soit ça s'additionne à une période précise, soit ça peut marcher que pendant la durée de la confrontation, mais c'est un peu idiot parce que hier j'ai fait la confrontation de clan. Regardez toute la confrontation de clan que j'ai fait. Les chiffres ne sont pas additionnés. Alors soit ça s'additionne à un certain level, mais j'ai pas gagné 3000 hier. Là je vois 3000, ça fait même du 4000, hein, si on arrive à compter. 1004, ça fait 2007, 2007, 2007, 3008, on est presque à 4000. Je n'ai pas eu 4000 hier. Hier, si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais à 7000. Hier, j'ai eu que 300 hier. Donc, je ne comprends pas le système de notation, en vérité. Je ne comprends pas, et c'est surtout que c'est mal expliqué le truc, parce qu'ils disent qu'on peut être obtenu dans la plupart des missions, mais j'ai presque envie de dire que c'est faux, je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Après, voilà, moi je présente surtout le mode. Je trouve que le mode il est cool. C'est un bon training si vous débutez, que vous voulez créer votre ligue, que avec vos potes, tout le monde vous débutez. Vous faites un véhicule qui doit avoir 9000 de PS maximum. Donc vous essayez de faire un véhicule mais qui soit OP, c'est-à-dire le maximum, les meilleures armes. Sur un build ne dépassant pas 9000 PS. Il y en a en exposition pour si vous en cherchez, etc. Et je trouve que c'est un excellent mode pour s'entraîner pour les futures guerres de clans. Et c'est une façon de jouer qui est différente du 6 contre 6. Je ne sais pas pourquoi, en 4 contre 4, je trouve que. Je sais pas, c'est différent et j'arrive pas trop à expliquer pourquoi. Parce que j'ai envie de dire, oui, en guerre de clans, on va dire qu'il y a une espèce de stratégie. Mais si on regarde bien, en 6 contre 6, c'est un peu pareil, on ne fonce pas dans le temps, 6 contre 6, logiquement. Moi, je remarque, vous allez le voir dans les extraits de confrontation qui vont suivre, que ma stratégie est un peu la même, on va dire. C'est-à-dire qu'en 6 contre 6, j'ai tendance à essayer de scruter un peu l'horizon de loin, voir un peu le placement des ennemis de loin. Et ma stratégie, et je n'ai pas de stratégie, je veux dire que c'est un beau feeling. Mais mon déplacement va se faire par rapport à la position des ennemis sur la carte. Si je vois qu'il y a plein de monde à droite, je ne vais pas aller à droite. Je vais essayer de les contourner. Je vais essayer d'attirer une personne sur moi pour essayer de la tuer. Je suis un peu comme le loup dans la bergerie qui essaie de séparer un mouton du troupeau. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. C'est un peu comme ça que je joue, moi. Est-ce que c'est une bonne méthode? Je n'en sais rien, mais c'est comme ça que je joue. Il n'y a pas de. On va dire que les stratégies, en réalité, même en guerre de clan, je ne pense pas que toutes les stratégies soient. Comment dire? En réalité, chaque partie va être différente. Parce que vous n'allez pas forcément jouer de la même manière que vous allez jouer la partie d'après. Les adversaires ne sont pas les mêmes. Les types de builds ne sont pas les mêmes. Votre stratégie dépend aussi de votre build à vous. Hein. Si vous êtes à distance, vous n'allez pas foncer. Quelqu'un qui est au corps à corps ne va pas rester à distance.
Donc la stratégie dépend de votre build, dépend aussi des adversaires, de la position des adversaires sur la carte, dépend aussi de vos alliés. Vous pouvez aussi faire des stratégies par rapport à la position de vos alliés. Moi, ça m'arrive beaucoup de me servir de mes alliés comme leur. En gros, je vais attaquer l'ennemi qui va les attaquer. Je vais essayer d'intercepter l'ennemi qui va aller les attaquer, on va dire. Après, voilà, chacun a un peu sa technique. Moi, je n'ai pas de technique prédéfinie. Il y en a qui ont vraiment des techniques sur certaines cartes. Le problème, c'est que pour moi, ben, chaque partie est différente parce que même si c'est la même carte, les builds ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, il y a des cartes où la carte où il y a les deux pôles de départ côte à côte. Il y a en 6 contre 6, la plupart des gens vont attaquer la base d'ennemis. Pour moi, c'est une grosse connerie, mais bon, ça regarde que moi. Mais moi, je trouve que c'est une énorme connerie. En 4 contre 4, je suis pas sûr que ce soit pareil. Comme quoi, si en 4 contre 4, ils le font pas, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc c'est peut-être qu'en 6 contre 6, ça vaut pas la peine non plus de le faire. Faut essayer de. Faut pas foncer comme ils font d'habitude, c'est la connerie en réalité. Donc voilà, c'est. Moi je trouve que la confrontation de clans est un truc qui est cool, qui amène une espèce de. Je sais pas, c'est un truc. Je sais pas par rapport au 6 contre 6, je trouve ça carrément différent. Il y a une espèce de stress, je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à le. La façon de jouer des gens est un peu pareil aussi, enfin je veux dire, est différente du 6 contre 6. Je remarque qu'en 4 contre 4, les gens ils sont beaucoup plus à distance. En 6 contre 6, on a aussi du distance, alors surtout quand on est à OPS. Mais à bas PS, on a plus l'impression que ça fonce dans le tas. Là, en 4 contre 4, il faut pas oublier que c'est du bas PS 9000, hein. Mais les mecs sont plus réfléchis, alors que les 9000 qui sont en 6 contre 6, ils sont pas réfléchis. Alors par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que. Les gros joueurs qui font les confrontations de clans, attention, parce que leur build, c'est pas des builds en carton. Les mecs savent faire des builds. Moi, mon build, moi, c'est une espèce de mélange entre un petit Suisse et une voiture sans permis. Il y en a qui font des builds qui savent faire des builds, on va dire. Bon, après, chaque build a son défaut. Vous allez voir que dans la vidéo, il y a un mec qui a un build méta, j'arrive à le détruire son build méta. Donc voilà, ils ont chaque build a ses défauts. Mais il y en a qui savent construire des builds. Hein. Limite, on pourrait presque. Je pense que en confrontation de clans, vous allez trouver des builds qui seront mieux construits que des parties à 9000. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, tous ceux qui sont à 9000. Mais en confrontation de clans, les builds sont vraiment intelligemment construits. Alors qu'en 6 contre 6, c'est pas forcément le cas. Donc faut faire attention à ça, les mecs, c'est pas des manchots. Mais sinon, le fait de créer un clan, c'est quand même. Si vous débutez, moi je pense que c'est une bonne idée. C'est 200 en ferraille, alors oui, quand on débute. Mais en réalité, les 200 en ferraille, si vous êtes un bon joueur, les 200 en ferraille, vous pouvez les faire en 5 parties. Attendez que j'ai pas. Non, peut-être que j'ai des bêtises. Une partie à fond en ferraille, si vous n'êtes pas abonné, c'est entre 30 et 31 ferrailles. Donc vous calculez 200 divisé par 30, ça fait 6. Si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, 6, 6, 6, 7 parties, quoi. Donc bon. Après, le clan, quand on débute, ça vaut pas la peine. Le clan, c'est entre. La confrontation de clan est entre 5. Entre 5000 et 9000. Donc en dessous, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, pareil, vous avez des armes bleues, vous avez un véhicule à 5000. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à faire la confrontation du clan. Pourquoi pas? Qui tente rien à rien, mais je pense pas que ce soit une bonne idée en vérité. Parce que vous allez être à 5000 alors que tout le monde sera à 9000. Donc vous allez vous faire dépouiller. Si vous êtes à 5000, allez faire du 6 contre 6 à 5000. Vous gagnerez plus de ferraille parce que là vous allez vous faire dépouiller. Voilà, donc s'il y en a qui ont des éclaircissements à me donner sur le système de notation de la confrontation, parce que j'avoue que c'est flou, j'avoue que pff, voilà quoi, c'est grosse à out quoi, c'est grosse à out. J'ai pas accès au classement, donc je me fais. Au moment où je fais une vidéo, comme par hasard, ben ça marche pas. Je ne sais pas quand se termine la saison. Il parle de saison.
Je ne sais pas si on peut voir. On ne voit pas. Je ne sais pas si on peut voir la fin de la saison. Dites-moi, pour ceux qui connaissent bien le jeu, j'ai fait 84 parties en solo, pas en groupé, en solo. J'ai récolté tout seul 7371. Dites-moi si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Moi, je ne peux pas savoir. Il n'y a que ceux qui sont habitués qui peuvent savoir. Dites-moi si c'est beaucoup, pas beaucoup, dans la moyenne, etc. Je me concentre à voir si j'arrive à faire monter mon classement. Alors, il y en a qui reste, il y en a déjà qui reste bloqué. Regarde, regarde, regarde. Merci, les amis. Ils avancent pas. Si les rouges n'avancent pas et que nous on n'avance pas. Bon, il y a la puissance, par contre, il n'y a pas le moteur. Je sais pas si j'ai mis le moteur. Je crois que j'ai mis un moteur. Et pourquoi il fait un bruit tracassant, le truc? On dirait un tracteur qui. Je sais pas, il est bizarre le bruit. Je me demande si c'est un moteur en vérité. Ça perd les popettes. Ouh là 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 là, ouh là là, couverture, tir de couverture, tir de couverture, tir de couverture. Attends, attends, on va essayer de les baquer à droite. Hein. Ils sont tous à gauche, moi je passe à droite. Oh, il avance pas le tracassin, c'est abusé. Oh, il m'a vu, lui, il m'a vu. Il m'a vu, je sais pas où il est. Merde, j'ai pas chauffé mes armes. Fais chier. Merde! Il m'aide pas là-bas! Putain, derrière une voiture sans permis, le truc. Hein. Pour l'instant, je fais tout seul. Hein. Mon gars, t'es bientôt mort. Tranquille, il leur faut combien ça? Je comprends pas.
J'aurais pas été là. Si j'arrive encore à fignoler mon véhicule parce qu'il n'est pas encore OP à 100% en 9000 km. Et en plus, j'ai laissé les RNC là. J'ai réussi à garder les trois. En gros, j'ai juste changé les roues. J'ai changé les roues. Je suis quand même content. Je suis quand même content. J'ai gardé toute la puissance de frappe. Enfin, oui et non, parce qu'il manque les clous. Et les clous, on sait que ça ajoute un peu de dégâts. Mais bon. Je pouvais pas faire autrement. Il fallait que j'enlève les clous, sinon ça pouvait pas marcher. Ah, par contre, derrière, comme ils sont tous à distance, hein. Bande de tocards. Ils sont à droite. Ils sont à droite. Il y en a pas un qui veut, parce qu'il y en a un qui veut passer à gauche, non? On les voit à droite ou quoi? J'en vois un là. Ben, ils sont malades, ils arrivent comme des fous, quoi. Je vais bien tenter un bac, mais il y en a un derrière moi. Lui, je pense qu'il a regretté de m'attaquer. Alors lui, ça va être la même chose, lui. Avec sa jambe cassée, là. Ils attaquent pas, ils attaquent pas, les mecs! Regarde-moi ça, putain! Regarde-moi ça, ça joue comme des planqués! Qui est sur la droite. J'ai vu qu'ils étaient à gauche, j'ai vu qu'il y en avait un qui venait sur moi. J'ai pris des risques, mais il fallait que j'en prenne parce que sinon il se passait rien, quoi. Moi j'avais peur qu'on se fasse déborder en vérité. Toi, il faut essayer de voir où se trouve l'ennemi. Il y en a un qui est là, il y en a deux même là, je crois. Et là, il y en a deux là. S'il arrive là, s'il arrive derrière, il tourne à gauche ou il tombe pas? S'il tourne, il tombe pas, si. Putain, il va tourner le con. Alors, je crois qu'il avait les armes que tu as là. Oh putain, lui m'a vu. Je vais aider l'allié qui est à gauche. Merde, merde. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, putain, c'est encore moins bon. Je vais essayer de me suicider sur lui si j'y arrive. Ah, merde. Fais chier. Pour le côté, hein. Parce que ça, vraiment, ça me fout dans la merde un peu. Mais après, je sais pas comment. Il faudrait peut-être reculer l'arme du milieu à la rigueur. Il y a encore. Peut-être, ouais, peut-être reculer l'arme du milieu. Il faut en reculer une. Donc celle du milieu, c'est jouable. Ouh, Porcupine, c'est chez nous? Non, c'est en face. C'est trompé ou quoi? C'est qui a 8000? Manson. Manson, je crois qu'il a confondu. 9000 ou 8000? Non, il a 8000 le mec. En plus, il fonce. Waouh, waouh, waouh. Manson, il est à droite. Hein. Bon, regarde-le comme il fonce. Regarde-le comme il fonce, le gars. Je fais le con, je fais le con, je fais le con, je fais le con. J'essaie d'attirer le regard sur moi pour que les autres ils puissent avancer sur eux à la rigueur. Voilà, là ils m'ont vu. Je vais essayer de vite revenir dans l'axe. Peut-être pas. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Hop, je redescends sur lui.
Bam! Alors j'aurais bien voulu avoir un appui, mais j'en aurais pas évidemment. Non, j'en aurais pas. Regarde, 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 il y a deux rouges et j'ai pas un bleu. En face, c'est une team. On a quoi donc chez nous? On a un qui est pas mal. Ah, ils ont chacun plusieurs trucs. Moi, j'en ai qu'un build, ils ont plusieurs. Je préfère un petit remédie, en réalité, à 9000. Tout à l'heure, j'ai réussi à niquer. Il y avait un mec qui était en remédie, qui est arrivé sur moi. J'ai visé les arbres. C'est la première fois que je fais ça, parce que là, en général, j'arrive pas à les viser. Là, j'ai visé les armes, les remédies, je les ai toutes niquées. J'étais choqué. Je suis putain, il doit dégoûter le mec. Il n'y avait plus d'armes. C'est le même groupe que tout à l'heure, ça, Yeri, là, je sais pas quoi. Il était avec moi tout à l'heure, je crois. Faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a deux remédies en face. Hein. Là, on les voit pas, mais quand ils vont arriver. Je vais essayer de me mettre plus vers là. Où sont les gars? Putain, ils arrivent. J'ai pas de moteur, ça me saoule. Pas. Bon, je vous laisse là-dessus. Commenter, 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 liker, partager. Partager, je pense que ça serait intéressant de partager parce que le jeu, il n'y a pas beaucoup de monde sur le jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ce jeu. Je vous donne un petit exemple. Hier, j'étais voir une youtubeuse et on a parlé des streams. Elle stream sur Warzone. Et elle m'a demandé ce que je streamais. Je lui ai dit. Elle connaît pas la plupart de la communauté qui était présente sur le chat. Il y en avait quand même pas mal. La plupart ne connaissent pas le jeu. Je trouve que c'est dommage. Le jeu est bien. Je trouve qu'on s'amuse bien dans ce jeu. Des jeux de construction comme ça en véhicule, ben moi j'en connais pas. Alors peut-être qu'il y en a d'autres hein, sur PC. Sauf que moi je suis pas sur PC, je suis que sur PS5. Donc je peux pas trop dire, mais. Moi j'aime bien ce jeu, après voilà, il faudrait que le jeu ait un peu plus de visibilité pour que les gens puissent le découvrir. Qui dit découvrir, ben, il y aurait plus de gens qui viendraient, peut-être qu'à un moment on aurait un matchmaking qui serait un peu plus opérationnel. Parce que là actuellement le matchmaking s'il est acheté c'est par manque de personnes aussi, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, partager, je pense que ce serait intéressant de partager. Et si vous avez des compléments à apporter à la confrontation de clans, au système de notation, ben dites-le parce que j'avoue que ça, moi j'ai du mal à y comprendre. Bon, je vous laisse et merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard.